Bonjour et bienvenue dans Move On Story. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'auberge du Père Bise à Talloire pour un événement exceptionnel. Allez, c'est parti. J'ai mis ma petite tenue. Tenue de soirée. Excellent. À travers ce que je vois et ce que j'ai ressenti, c'est comme si toute l'énergie était rentrée en moi et maintenant elle est là pour exploser. En un jour, j'ai été inspiré comme jamais. On est monté en haut de. Et il me dit, quand tu vois ça, tu n'as plus besoin de partir. Et je comprends. Si Lucas, elle est là, c'est pour une passion que j'ai. C'est le vélo qui m'a attiré à Lucas. Il a fait le Tour de France en vélo. Et puis, il a personnalisé 5 vélos. Et j'ai eu l'occasion d'en avoir un. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Lucas. Et on a partagé, eu l'idée de faire cette soirée. Angeli, écoute, ça te dirait de venir faire quelque chose avec moi. Moi, je fais un menu, toi, tu fais une œuvre. Ça, c'est possible, ça? Il dit, mais bien sûr, je rêverais de faire ça avec un chef. Je rêverais, j'ai jamais fait. Oui, ça m'intéresse. Pour moi, la cuisine, c'est aussi un art culinaire. Partager de l'amour aussi. Et j'aime cette sensibilité aussi qui peut nous donner, nous transmettre. Il est là pour nous rassembler ce soir. Il est là aussi pour partager avec tous. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est aussi de mélanger tout ça et de prendre du plaisir. Et voilà, non, je suis très ému, très heureux. C'est ça qui est fabuleux. De partager des moments entre artistes permet aussi de créer une effervescence pour se faire plaisir et transmettre ce plaisir-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qui se prépare? Je suis en train de créer une mixture qui va être mon fond de mon puzzle. Donc l'idée, c'est créer un fond et après je vais travailler sur mon pattern de base qui est justement le croisement des lignes et de mes personnages, Gus Gus. Je te parlais, ce fameux personnage mi-homme, mi-oiseau qui aime tant être avec les autres. Gus, il est bienveillant, il aime les autres, il est dans le partage et l'amour. Il me ressemble, mais je progresse encore. Je suis loin du niveau de Gus Gus. En fait, cette toile, elle est à la fois une et à la fois 30. Les gens qui sont en train de... Les invités qui sont en train de découvrir l'évolution de l'œuvre vont repartir avec une des 30 pièces, créant un lien magique et éternel, entre guillemets, entre 30 personnes. Pour cette soirée exceptionnelle, ils sont une trentaine de convives à pouvoir goûter la cuisine de Jean Sulpice et observer Lucas en train de créer juste derrière moi. Ça, c'est la base. C'est la base. C'est les fondations. Non, ça, c'est clairement mon background. Après, je vais travailler mon personnage et tout. Pour l'instant, c'est vraiment le fond de la toile. C'est comme si tu mettais du beurre dans ta casserole. Là, c'est l'effervescence. Ils ont 8 plats à préparer pour les convives. Oui, 4 paires, s'il vous plaît. Je m'éclate. Je vois la pièce se dessiner. Et j'aime bien les imprévus. Quand j'ai commencé, il y a de la peinture qui a coulé, elle n'était pas censée couler. Et je trouve ça trop cool en fait, parce que ça prouve que je ne suis pas un robot et que des petites imprévus peuvent arriver. Le tout, c'est de ne pas le montrer et de continuer à créer, parce que si on se laisse aller dans les émotions, on fait « Ah, shit, j'arrête tout, c'est pas ça que je voulais ». Petit à petit, l'équilibre est en train de se former. Je te donne un exemple. Cette toile est terminée, cette partie-là. Et quand tu vas prendre du recul, tu vas te rendre compte qu'il y a quasiment le même nombre de traits par toile, créant un équilibre parfait. Je compte presque le nombre de lignes par case. Et parce que c'est comme un truc mathématique un peu, quoi. Mais c'est le côté un peu, c'est le madness de l'artiste. C'est quand tu n'as pas trouvé ton équilibre, tu t'arrêtes pas. Il y a des dizaines, des vingtaines, des trentaines, de nombreux Gus Gus. Gus Gus, c'est mon personnage.
Je vous le montre, vous allez voir partout. C'est sa tête là, ici, ici, ici. On peut voir son corps avec ses jambes, ses bras. Et il est connecté avec tout le monde. C'est finalement un peu nous, quoi. Cette toile, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions. Et j'espère que vous l'avez ressenti. Moi, j'ai été transporté par ta cuisine, Jean. Franchement, je t'ai trouvé incroyable et surtout très généreux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes équipes. Tu nous as mis dans le jus un peu quand même, hein, parce que d'envoyer tout le monde à ce coup, c'est pas évident. Mais je suis vraiment beaucoup apprécié cette expression, cet échange aussi. Et c'est génial, quoi. J'ai pas de mots. Neuf. Ah non. Ah. Madame d'abord. Super, merci. Move On Story avec Jean Sulpice et Lucas Beaufort, c'est déjà terminé. Mais nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. Bonne soirée, merci beaucoup.